Et donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo, donc c'est un format qui va être assez simple. Donc je vais tomber sur une chaîne en fait, je vais l'analyser, donc je vais lui donner des conseils pour qu'il améliore sa chaîne. Donc voilà, donc c'est un format de vidéo qui fera des vidéos pas très longues, ce sera autour de 3-4 minutes je pense. Donc voilà, donc là pour la première vidéo, j'ai pris une chaîne au hasard parmi mes abonnés et je suis tombé sur la chaîne de Riot Storm. Donc voilà, on arrive sur sa chaîne. Donc on va commencer par analyser son accueil et son identité visuelle. Donc alors sa bannière. Donc alors moi je la trouve pas mal, assez clean. Par contre l'image elle est pas mise à l'échelle. Elle est pas mise à l'échelle. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est clean, on voit que c'est de la météo, c'est déjà bien. Le logo plutôt stylé aussi, même si le texte, j'aimerais que tu le mettes un petit peu plus gros. Alors, l'accueil, alors c'est dommage, il n'est pas très très complet. Moi, je te conseillerais de le faire un petit peu plus complet, genre de mettre une vidéo de présentation et des playlists pour que les gens ils aient pas forcément à naviguer sur toutes les pages et tout, pour voir un petit peu ce que tu fais. Donc, on passe cette vidéo. Donc alors tes vidéos, donc t'as un rythme assez régulier, tes miniatures elles sont plutôt sympas. Moi personnellement j'aime bien. Après tu pourrais faire qu'il se voit un petit peu mieux au niveau du texte. Parce que là voilà, c'est le contour, il est clair, on voit pas très 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 bien. Moi je te conseillerais de mettre par exemple des ombres au niveau du texte si tu peux le faire. Voilà, c'est un petit conseil que je pourrais te donner. On passe aux playlists maintenant. Donc alors tes playlists, je vois qu'elles sont complétées en temps réel, c'est bien, il y en a beaucoup. C'est une chaîne, c'est quelque chose qu'il faut faire pour bien classer tes vidéos, et c'est ce que tu fais. Voilà. Aussi, je vois que ton nombre d'abonnés, il est correct, c'est une bonne chose. Donc, je suis abonné évidemment. Donc, on passe à ton maintenant, à ton à propos. Donc alors ça, je me présente, je vais regarder du dragon et ça, je vais regarder du dragon, j'ai ma chaîne de Riot Storm sur la mythologie, je vais réaliser la neige, la grêle. Ok, tu présentes un petit peu ce que tu vas faire, ça c'est une bonne chose. Voici le programme de ma chaîne YouTube, vidéos qui sortiront le mardi, le vendredi, samedi, dimanche. Ça c'est bien, t'as mis ton programme de vidéo. Alors, donc t'as mis ton programme de chaîne, ça c'est une bonne chose. T'as mis tes liens aussi. Donc j'y pense, ton nombre de vues, il est correct, c'est une bonne chose. Donc voilà, donc on va passer à la partie finale de la liste, qui est la note, qui est un peu le compte-rendu. Donc alors moi à ta chaîne, je vais mettre un bon 8 sur 10 parce que franchement. T'as beaucoup de bonnes bases et ça c'est très bien, t'as des trucs que certaines personnes ne font pas. Ça c'est un avantage. Par contre voilà, juste quelques petits aspects visuels et ton accueil qui est à compléter, mais voilà. Ça c'est quelque chose, c'est des choses qui sont normalement assez simples. Tu peux le faire plutôt facilement sur YouTube Studio. Donc voilà, moi c'est des petits conseils que je te donne, si jamais tu les appliques, tu pourras facilement augmenter ta note si jamais tu es analysé à nouveau. Donc voilà, donc maintenant voilà, c'est la fin de cette analyse, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Riot Storm, donc le lien sera en description. Donc voilà, donc si vous souhaitez passer pour le prochain épisode, mettez un commentaire dans lequel vous dites que vous souhaitez participer. Donc, mettez pas de je participe ou STP parce que sinon en fait c'est du spam et je risque de ne pas le voir. Mettez, on va mettre un petit mot de référencement. Donc aujourd'hui le mot de référencement ce sera décalaminage. Donc voilà, mettez ce petit mot de référencement et mettez quelque chose du genre. Je souhaite être candidat pour le tirage au sort et votre candidature sera prise en compte pour faire un tirage au sort, parce que voilà, le prochain analysé ce sera fait par un tirage au sort. Voilà, je vais pas faire par des préférences ou quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut.